Monsieur le Commissaire, chers collègues, chaque Européen génère près de 189 kilos de déchets d'emballage par an, un chiffre en constante augmentation. La gestion des déchets touche à la préservation de notre planète. Dans ce contexte, le règlement sur les emballages est un pas significatif vers la réduction des déchets. La révision de nos normes va permettre de favoriser l'innovation dans les matériaux d'emballage durable, la collecte, le recyclage, ainsi que la réutilisation des emballages lorsqu'elle est possible. Cependant, la réussite de ces initiatives dépend de l'engagement actif de chaque citoyen et de chaque territoire. Assurons-nous que les citoyens s'approprient pleinement ces nouvelles règles. Par ailleurs, les boissons spiritueuses de nos outre-mer représentent l'excellence et le savoir-faire de ces territoires. Elles méritent une attention particulière en ce qui concerne l'obligation de réemploi des bouteilles. Je ne suis pas convaincu que cette mesure soit adaptée à nos régions ultra-périphériques. Avec le vote de demain, nous pouvons trouver le juste équilibre entre nos objectifs environnementaux et l'adoption des règles qui fonctionnent pour tous.